Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie tranquille histoire de se remettre un petit peu des excès des vacances. Il n'y a pas que la sortie qui est tendue, il y a le ventre aussi. Donc on va essayer de retrouver un petit peu nos marques tranquillement. Allez, c'est parti! Yep, ça part de là! Ah, on est parti. Parti, c'est parti! Ça part de là! Allez, c'est reparti, mon kiki! Voilà, le Prez sur sa nouvelle monture pour l'année 2022, saison Yeti SB 115, je sais plus quoi. Ah, il est très joli, très beau vélo. Franchement, si Yeti sort le modèle pour homme, moi je me laisserais bien tenter. Non, il faut que pour des Yeti pour le vélo. Il est fini ta fiole là. Allez, on est parti, les premiers coups de pédale. Si, ça commence déjà à souffler comme un bœuf. Je suis tout dernier. Je change pas les habitudes qui gagnent. Mais ça fait du bien de pédaler un peu, de retrouver les copains. Et on va essayer d'éliminer tous ces excès de l'été sur des belles petites pistes et tout. Allez, on commence à retrouver nos collines et notre beau soleil. Bref, on crache un peu des poumons, mais pour la tête, ça fait un bien fou. La petite mer en contre-boue là-bas, en fond. On a fait la moitié de la première montée. Ça va, encore frais. On va voir sur la deuxième. Allez, on y est. Ça, c'est le petit tronçon qui me plaît pas. Bon, il est pas long. Après, ça va, c'est cool. Et toujours magnifique sur le côté. Et les copains sont toujours là. Allez, nous voilà en haut de cette première montée. Un peu plus à l'agonie sur la deuxième partie. C'était à prévoir. Mes forces s'éloignent. Et toujours un magnifique point de vue. On a quand même de la chance. Hein, et un beau soleil. Les copains, ils sont là, les copains! Et quand tu descends, il y a celle de derrière. Ah! Putain de temps de merde! Ah! Tentacule! Bon, allez, j'essaye de suivre, mais j'ai plus de watts déjà. Et on a fait quoi? 10 bornes, 277 mètres de dénivelé. Je sens que les forces, elles sont déjà loin. Loin, loin, loin. Vivement la première vraie descente. Bon, ben ça se voit que c'est une sortie reprise, hein, parce qu'on prend ce qu'il y a de plus cool dans le coin. Là, on s'est évité la grosse montée avec la super descente. Mais bon, dans tous les cas, moi, physiquement, j'y suis déjà plus. Alors, c'est mal pour un bien de se remettre un petit peu dans le jus, comme on a envie de dire, tranquillement, quoi. Bon, un petit passage à vide pour le moment, là, j'arrive plus à les suivre. J'ai même pas envie d'essayer, en fait. C'est plus ça parce que je suis pas mort, mais une flemme, c'est horrible. Bon, enfin sinon, petite vue bien sympathique sur la droite. Encore une fois, la mer, les collines, le soleil, le cocktail est là, et les petites gouttes de sueur pour se donner bonne conscience de toutes les conneries qu'on a fait cet été. Allez, premier single. Youhouhou, c'est bon ça. Oh, les sensations, elles reviennent. Bon, il est cool, hein. C'est juste en contrebas de
escalade FCI, c'est toujours bon à prendre. On a retrouvé le beau patou devant, regardez-moi cet arrière-train magnifique. Ah, ah, c'est bon ça. Bon, et au fait, je vous ai parlé beaucoup de mes bêtises faites cet été. Moi, j'ai pu partir un petit peu à la montagne. Bon, j'ai pas trop fait de vélo, pas trop eu le courage. J'étais tout seul. Après une petite semaine de farniente, et après je me suis fait une petite semaine en croisière. On a fait tous les bords de l'Italie. C'était un vrai régal. Et cerise sur le gâteau, en plus j'en ai profité pour demander madame en mariage. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez fait cet été? Est-ce que vous vous êtes régalé? N'hésitez pas à le marquer en commentaire, un peu savoir ce que vous avez fait, vous, ça m'intéresse. Alors, ça redescend un peu par là. Enfin, pas vraiment en fait. Tiens, mais il est génial ce petit single. On n'avait jamais pris en contrebas de la DFCI. Ben, il est pas si mal que ça. Sorti. Ah. Ah, elle est toute petite descente, mais vraiment microscopique, mais ça remonte quand même derrière. Sortie, reprise. Ah. Ils sont tous en forme, les salopards. Hein. Oh là là. Ah, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas poussé le vélo. Ah là là, ça y est. J'aurais dû m'inscrire dans un club de marche. Hein. Sans déconner. Au moins, il y a le poids du vélo en moins. C'est parti pour une descente normalement. Ah oui, plus fois la belle descente. C'est raide les amis, pour une reprise. Allez hop. Ouh. Oh. Quelle bien sympa. En visant pour les rochers. Hop hop hop. Ouf. Bon, je suis pas des plus rapides là. Hein. Il va falloir que ça revienne. Hein. Première fois que j'apprends ça là. J'arrive pas à me mettre dedans. C'est pas mal. Ça glissouille quand même. Les appuis sont pas top. Je pense que c'est... Ça vient aussi de moi. Je suis pas à l'aise. Ça sent la plaquette. Bon, c'est clair que je freine trop. Ou alors c'est pas les miennes, je sais pas. Parce que je me vois pas freiner autant que ça, mais... Pourtant, il n'y a que moi, alors... C'est que ça doit être les miennes. Là, ça va mieux, un peu moins tendu, plus à l'aise. C'est fou hein, comme le degré de pente me chagrine psychologiquement. Hop là, dégage.
je suis pas à l'aise pour tirer mon putain de guidon. Je suis nul là. Comme d'habitude, quand t'as plus de vitesse, ça va. Oh, j'ai une crampe. J'ai une crampe de sous-pied. Tut-tut ! Ah. Allez, on est arrivé. Hi, ça sent quoi ? Ça sent les ? La plaquette. Ça avait pas l'air d'être les miennes de plaquettes. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, le bon patou ! Bon, mais première vraie descente, ben bof dans la première partie. Par contre, deuxième partie, ça a été beaucoup mieux. Beaucoup mieux, tant que ça revienne. Ce pentu, alors, ça me cisaille à chaque fois mes envies. Et ça monte toujours. C'est une belle descente. Puis tu te fais sanctionner derrière. Tu remontes. Et on a marre. Allez, première des deux dernières montées. J'ai essayé d'accrocher le groupe, mais j'ai lâché. Je sais pas où on en est. À la moitié. C'est là que ça va commencer un peu à se durcir. On va essayer de tenir jusqu'au bout, je redoute un peu. C'est plus le mental. Bon, la physique aussi commence à morfler, mais je me serais vu une sortie un peu plus courte pour la reprise. Là, on est à 30 km, 630 mètres de dénivelé. Bon, on a fait pratiquement que de la DFCI. Donc, déjà pour l'effort, c'est moins violent. Mais pour une sortie reprise quand même, on voit que j'y suis pas du tout. Il va falloir encore un bon mois. Peut-être un peu plus pour s'en remettre à peu près. Allez, la première montée c'est fait. Il va rester plus que la dernière. Normalement c'est un petit single par là, mais franchement tout plein de relance, tout ça, moi je me sens pas. Je pense qu'on va couper par la DFCI et on va se préserver pour le dernier qui est aussi bien sympa. Le furieux. Pour cette rentrée, on a même recruté Hagrid de Harry Potter. Ouais. En place, le beau Sissou, je sais pas si vous le reconnaissez. Il y a le single furieux. Qui arrive, il y a les singles qui arrivent, le meilleur de la sortie. Moi la DFCI. Non, allez, single, tu rigoles quoi, single. Oh putain, je suis faible. Le single. Tant pis. Ouh. Je suis rincé. Je vais pas faire des étincelles, mais là que quand je suis à l'aise, je fais pas des étincelles. Ouh. Et ben, vraiment une grosse merde. Pas me lâcher là-dedans. Hein. Je suis fatigué aussi. Après, il est génial. C'est con de ne pas le faire. Hein. Thank you.
toujours dedans, petite partie sous bois, c'est pas des paysans. Oh. On se croirait presque encore en vacances. Mais on l'est, c'est vrai. Oh que c'est bon. Ouais, ça redescend un petit peu là. Yes. Joli. Simply the best. Yeti Power. Yeah man. Brutus alias le beau fessier. Parce qu'en général on ne voit que de dos. Gabi le tueur de montagne, suivi d'Hervé la chicane mobile. Hop là. Yeah. Hop là. Il est là. Cyril de chez les brioches Paul. Oh, vive la brioche. Petit homme, il est là. Oula, oula. Allez. Allez, on est toujours dans ce magnifique single avant d'arriver à la prochaine et dernière montée. Alors on profite un maximum de se faire plaisir avant la souffrance. Bon, bah, une belle petite descente, hein, bah, on l'a faite finalement. On se regroupe avant la dernière belle montée. On va se prendre un coup de pétard dans la tronche et puis sans doute après une belle petite descente bien sympathique. Allez, bah, on y est. La dernière montée. Bon, pour l'instant, je suis dernier. On va voir si on arrive à récupérer un peu le groupe après. J'ai un petit peu flotté. De toute façon, on va la monter tranquille. Là, on est à 36 km, 740 mètres de dénivelé. Et je dois avouer que ça commence un petit peu à se faire ressentir. Heureusement qu'on a fait quand même à la cool, il n'y a pas de montée trop technique, donc un effort assez constant quand même tout le long, sinon j'aurais pété comme un popcorn. Allez, toujours aussi dur, mais on s'accroche, on commence à rattraper les copains, ça c'est bien. En plus on est un petit peu à l'ombre, donc c'est top aussi. Ah, j'ai parlé trop vite. Allez, on s'accroche. On s'arrache, on s'arrache. Allez, c'est gagné, les fêtes. Et pas sans mal. Et ben, cette dernière, là. Elle a piqué. Quoi, j'ai presque des vertiges. Ouh. Allez, dernière petite descente. Encore une draillette. Celle-là, elle est sympa aussi. Ouf, pas de chez les quick. Qui c'est qui a dit que le vélo, c'était pas fatigant? Si j'étais pas en banqueroute, je me serais peut-être laissé tenter par un mur, un VAE. Wouh. Ah, je tombe dans le goulot. Celle-là. Ah ouais, il y a un petit trou là, c'est vrai. Ah, putain, d'habitude je le prends plus à l'aise. Là, j'ai fait la merde. Ah, c'est le seul... La seule petite surprise qu'on a.
Ah, peut-être celui-là aussi. Hop là. Bing. Allez, hop. Allez, mon Sissou. Ah, celle-là pour finir, c'est du caviar. Je vais faire un petit peu gaffe avec la fatigue. Hop. Je comprends pas comment vite pour aller aussi vite. J'ai pas freiné et il m'a pris. Ou alors je dois freiner sans m'en rendre compte. Je sais pas. Ah oui, je freine, c'est normal. Quelle grande vue. Voilà. Elle est pas belle, ça va pour finir. Allez les amis. Ouh. Oh, ça va. Je me rappelais plus de cette petite boulotte là. Allez, on a récupéré le chemin qui va nous ramener aux voitures maintenant. Tranquillement. Bon, on essaye encore d'appuyer sur les pédales pour les derniers petits tours de roue qui vont nous ramener aux voitures. Que dire, encore une belle petite sortie, ça aimait, il m'avait manqué les copains. C'est bien beau d'aller à la montagne, de rouler tout seul, c'est quand même bien emmerdant. Là, il y a les copains, on rigole un petit peu, on parle, et c'est vraiment le top de les retrouver. Pour moi, ça fait partie de l'essence même de ce sport, voilà. Le partage à rigolade, une bonne sortie entre copains, et puis voilà, du partage, quoi. Ben j'espère que cette petite vidéo reprise, ça vous aura fait plaisir de la voir et de nous revoir sur le vélo. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres derrière. Même si cette année, je pense que ça sera quand même beaucoup plus cool et peut-être beaucoup moins de vidéos. On verra, je ne sais pas encore, selon l'emploi du temps et tout ça. Bon ben voilà, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Ciao les amis.